Clichy-Batignolles, le plus grand écoquartier parisien, est en train de voir le jour au cœur du 17e arrondissement. C'était, au début des années 2000, un univers d'entrepôts et de plateformes de réparation des trains situé à proximité du faisceau ferroviaire de la gare Saint-Lazare. En 2003, Clichy-Batignolles est choisi pour accueillir l'éventuel village olympique des Jeux de 2012. L'échec de la candidature parisienne ne remet pas en cause la transformation de ces 50 hectares en un nouveau quartier qui comptera à terme plus de 6000 habitants. En 2007, avec l'adoption du plan climat par la ville de Paris, c'est même un écoquartier ambitieux qui est projeté. On a confirmé le fait que Clichy-Batignolles serait un écoquartier, donc on se donnait toutes les chances pour que, effectivement, du point de vue de l'énergie qui sera utilisée, du point de vue par exemple de la collecte des déchets sur laquelle on a une collecte pneumatique, du point de vue des eaux, de la façon dont on utilise les eaux en retraite, etc. Et bien sûr la performance énergétique des bâtiments. L'un des premiers objectifs du quartier est de se fondre dans son environnement urbain. En commençant par offrir à tout l'arrondissement un parc de 10 hectares dont la moitié est d'ores et déjà réalisée. Un parc qui doit jouer un rôle écologique de premier plan en permettant de valoriser les eaux pluviales et d'accroître la biodiversité. Le premier coup de crayon, on va dire, c'était déjà de relier le quartier, le parc complètement à son quartier, que le parc soit vraiment dans le prolongement, la trame du parc soit dans le prolongement de celle de la ville. Donc on avait cette trame en place. Eh ben, le long des allées, c'était de faire des morceaux de paysage, comme ce fossé humide, dont le but était le recueil des eaux pluviales, et aussi une manière de mettre en place un paysage spécifique lié à ces lieux humides. Sur ce jardin, on me dit, oui, mais comment vous avez mis les canards? Comment vous avez apporté les oiseaux? Alors non, là, on installe des zones humides avec des plantes qui sont des zones vivantes, pas que des zones décoratives, hein, comme on pouvait avoir dans les jardins très, très dessinés du 19e siècle. Donc on a l'installation de canards, on a eu la naissance de poules d'eau l'année dernière, donc une vraie biodiversité qui s'installe. Autour du parc, c'est un quartier dense et compact qui va se réaliser entre 2010 et 2017, avec plus de 3000 logements, plus de 100 000 m² de bureaux, des équipements publics et des commerces. Pour consommer moins de terrain au sol, les immeubles de logements autour du parc pourront monter jusqu'à 15 étages. La surface de voirie et le trafic automobile sont limités au maximum. Nous avons un minimum de voies publiques, d'espace de voies publiques, un minimum de circulation automobile. Les quelques rues qui sont créées seront particulièrement sollicitées par les piétons, les déplacements doux, les autobus, tous les usages collectifs et la vie collective. Et les constructions sur les îlots qui entourent ce parc sont particulièrement compactes, denses, pour aboutir à la production d'un nombre important de logements. On a 50% de logements sociaux, au moins, prévus dans la programmation. Le reste de logements sont des logements privés, mais avec 30% de logements dits libres, donc en général consacrés à l'accession à la propriété, et 20% de loyers maîtrisés. Ce quartier, mixte par sa population et par ses fonctions, est doté d'un cahier de prescriptions environnementales que tous les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre doivent respecter. Il contraint notamment les bâtiments à consommer moins de 50 kWh par mètre carré et par an, mais aussi d'être producteurs d'énergie. Le plan climat de la ville de Paris donne l'objectif de réaliser un quartier zéro émission de CO2. Donc c'est un objectif assez inédit, on va dire, pour un projet de cette taille et de cette ampleur. Une des particularités, c'est aussi qu'on va demander à chaque programme d'avoir une production photovoltaïque sur le bâtiment lui-même, donc principalement sur le toit des bâtiments. Les premiers chantiers illustrent la prise en compte de ces directives.
La parcelle située le long de l'impasse Chalabre montre la volonté de diversifier les programmes sur un même terrain, de construire en hauteur, tout en dépensant peu d'énergie. Cette parcelle accueillera un groupe scolaire de 12 classes, surmonté d'une résidence étudiante de 152 chambres, réalisée par la RIVP, la Régie immobilière de la ville de Paris, avec les architectes de l'agence Phileas. Cette superposition de programmes, elle est intéressante pour la mixité sociale, le mélange des âges, etc. Mais elle pose beaucoup de difficultés du point de vue architectural en termes de structure. Les programmes ne doivent absolument pas se mélanger. Tous les flux sont complètement distincts. Les entrées de la cuisine, les entrées de l'école avec les élèves et les parents et les entrées de la résidence sont totalement dissociées. Il n'y a aucun moyen de passer d'un programme à l'autre, mais tout ça cohabite quand même d'un point de vue architectural. Un cahier des charges environnementales plus ambitieux a été rédigé et la consommation pour le groupe scolaire est de 36 kWh par mètre carré chaune et par an d'énergie primaire. Pour le groupe de résidence étudiante, les 152 logements, on est à 42 kWh par mètre carré chaune et par an d'énergie primaire. Sur une parcelle voisine, sur le parc, le premier programme de logement, réalisé par Next City avec les architectes de Périphérique, associera 97 logements en accession et 20 logements sociaux dans un même bâtiment, organisé en anneaux autour d'une cour centrale. Ses toitures en pente sont couvertes de panneaux photovoltaïques et ses façades sont dotées d'une isolation extérieure. On s'était donné un challenge, c'est d'essayer de répondre à surcoût maîtrisé à ces enjeux énergétiques. Si on intègre bien dès l'amont une conception qui prend vraiment en compte le site, etc., on arrivera en fait à avoir un surcoût maîtrisé de 5 ou 7%. Le premier travail qu'on a fait, c'était un concours, c'était de se dire comment on peut adapter dans l'îlot qui nous est donné, avec le PLU et les règles urbaines qui étaient imposées, une forme de bâtiment qui soit la plus pertinente possible par rapport à la dimension environnementale et surtout aux ambitions qui étaient celles de l'éco-quartier, c'était d'avoir un bâtiment BBC, qui a un label Effinergie et qui rentre dans le cadre du plan climat à Paris. Dans ce travail sur l'écriture aujourd'hui architecturale de bâtiments basse consommation, il y a celui de prendre en compte cette surisolation. C'est-à-dire qu'on est dans des bâtiments qui, bien que compacts, c'est ce travail qu'on fait sur la compacité, nécessite d'être isolé par l'extérieur. Et ça, c'est très intéressant, je trouve, aujourd'hui au niveau architectural, parce que ça oblige, nous, à nous reposer des questions. Nos maîtres d'ouvrage et la collectivité à accepter d'autres réponses architecturales que des solutions, on va dire, assez simples pour le logement, qui pourraient être juste des enduits ou des choses comme ça. Et donc, comment on peut aujourd'hui avoir de l'isolant par l'extérieur et le protéger et offrir une qualité plastique et architecturale.